Vincent, on va revenir sur ta journée. Donc tout d'abord, euh, on va parler de London Fire qui a fini quatrième. Tu peux me dire quoi sur ta course parce que tu échoues vraiment de peu pour la troisième place Oui, j'échoue un petit peu de peu. Euh, on n'a pas une course superbe. Je suis un petit peu enfermé dans les derniers euh, 400 mètres. Mais bon, là, j'ai fait une, une course honorable. Ensuite, tu gagnes sur la ligne droite avec un pensionnaire de M. Pantal Sliket. Euh, vraiment une, une belle victoire. Tu peux me dire quoi sur, euh, sur ta course t as eu un bon parcours. C'est un cheval qui prend de la maturité, qui se monte euh, plutôt dans les chevaux de tête, voire même maintenant devant. Le cheval progresse gentiment, donc aujourd'hui on, on avait un petit poids et il l'a fait plutôt plaisamment. Ensuite on va parler de pneumatique, c'était le cheval euh, de classe de la journée. Tu t'es imposé très facilement et euh, franchement il n'y a, a aucune concurrence, de toute façon on le savait, c'est un cheval de groupe 3 qui a été dans une... Tu peux me dire quoi, et, euh, pour toi euh, euh, c'est vraiment ce qui t'a plu, est-ce qu'il a progressé euh... Moi, c'est un cheval que je découvrais totalement, donc euh, qu'il ait progressé, ça, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est un cheval de classe. Aujourd'hui, manque de rythme un petit peu pour le mien, donc ça aurait pu être euh, un petit peu à mon désavantage. Aujourd'hui, le terrain a fait la différence. Pour le mien, il, on sait qu'il dans le terrain souple, il est un peu moins performant. Là, aujourd'hui, il a vraiment donné une belle impression et une belle accélération. Merci à toi, Vincent.